Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar apparaît. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai pas eu de... Je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr, t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais au bon ordre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Elle m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu me droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, c'est 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillière. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. Ça a assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait, comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pour bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi, je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi, je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai en plus, je ne la connais pas. D'accord, bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame, nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Bah, attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi, je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroquerie. Ah, non, monsieur, ça, c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 euros pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 euros à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir.